L'exercice d'automassage numéro 46. Alors là, super massage du muscle solaire. Les solaires sont des muscles au niveau du mollet qui sont en profondeur. À l'extérieur du mollet, la couche superficielle, nous avons ce qu'on appelle les jumeaux gastrocnémiens. Mais en dessous, on a un autre muscle du mollet qui est le solaire. C'est un muscle absolument majeur pour tenir debout et pour propulser notre pied et stabiliser notre démarche. Donc c'est une région très intéressante à travailler et je vais vous laisser la surprise d'essayer avec différents types de rouleaux si vous en avez plusieurs, soit un rouleau fin, soit un rouleau plus gros, puisque le mouvement va consister à placer le rouleau entre les ischio-jambiers et justement les mollets et à chercher à aller s'asseoir dessus. Voilà. Et donc là, on va prendre le temps de relaxer, de respirer. De relaxer quoi? De relaxer justement le mollet, les jumeaux en particulier, le gastrocnémien, pour pouvoir rentrer en profondeur dans ces fameux muscles solaires. Donc je respire, je laisse le temps à mon mollet de se détendre pour aller vraiment en profondeur. Je détends les chevilles, je détends le mollet, je détends les cuisses, je respire. Et puis, je relâche et je déplace mon rouleau depuis les chevilles jusqu'au plus loin où je puisse aller sous les genoux. Alors évidemment, ça ne sera pas du tout, et c'est ça que je vais vous laisser découvrir par vous-même, la même sensation si vous mettez un rouleau fin ou un rouleau plus gros. Et j'ai vu certaines personnes même le pratiquer avec un manche à balai. Donc, bonne pratique. Là encore, j'insiste, c'est un muscle essentiel qui vous apportera beaucoup de bienfaits au niveau de la marche, de la stabilité. Et nous, on sait en IMP qu'il y a beaucoup de réflexes qui sont associés à ce muscle, en particulier les réflexes qu'on appelle réflexes de protection, réflexes liés au stress avec les réactions feu rouge et feu vert, mais aussi des réflexes au niveau de la stabilité et de la posture debout. Merci beaucoup, bonne pratique, à bientôt.